Bonjour monsieur Tissot, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je suis désolée si vous entendez les voitures et peut-être la musique. Je sais pas si on l'entend à la caméra, mais enfin soit. Du coup je suis là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des séries que j'aimerais bien lire cet été. Mais voilà, j'ai tellement de livres que j'ai envie de voir lire cet été que je pense que ça va être un ratage pour moi. J'ai trop de livres à lire que j'ai trop envie de lire. Du coup, pour le moment, je vais vous montrer ma lecture en cours, comme c'est une série qui est Secret Défense d'Aimer, le tome 3. Il est trop beau, j'aime bien les chaussures. Du coup, je ne vous parle pas de ce qui est là-dedans. Je vous ferai une vidéo à part parce que voilà ce qui me reste à lire. Je pense que dans 2 jours, je vais essayer de finir ce week-end. Oui, parce que je tourne le samedi. Du coup, la série que je voudrais bien d'abord terminer, c'est... parce que là, il m'en reste 3. Vraiment que 3 livres à lire. C'est Beauty Flou. Bon, celui-ci, c'est le dernier. Le 8e, Le Secret. Bon, je ne sais plus dans l'ordre. Je les ai écrits, du coup. Celui-là, il est tout petit, par contre. Je ne pensais pas. Beauty Flou, Belle Loved. Love. Très beau, mais je savais pas qu'il était tout court celui-là. Il va vite aller. Et Beautiful et le nom là, Ben Jing. Voilà, il me reste ces 3 livres là à lire. Voilà, c'est un livre que j'avais commencé, puis j'ai changé parce que j'ai voulu lire ceux-là que j'ai lu. Et quand j'ai dû attendre celui-là, j'ai relu un de ceux-là. Du coup, voilà. J'aimerais bien continuer parce que c'était ma lecture en cours. Mais je n'avais pas continué parce que c'était un moment difficile pour moi. Je ne vais pas en reparler, mais le décès de mon papy. J'étais dans la passe miroir, le fiancé de l'hiver. J'avais commencé, j'étais bien partie, voilà. Et du coup, j'aimerais bien continuer la série. J'avais arrêté avec tout ce qui... j'étais tellement mal que j'étais pas concentrée pour la série. Du coup, j'ai arrêté et j'aimerais bien la continuer pour cet été ou même après. Je sais pas. Comme c'est la passe miroir, le fiancé d'hiver. Peut-être attendre l'hiver pour la continuer. Je ne sais pas. J'hésite. Après, ce que j'aimerais bien commencer, là, c'est un petit manga. Ils sont déjà au tome 6, si j'ai bien vu. J'ai entendu parler de partout. Du coup, je voudrais bien me tenter l'atelier des sorciers, le tome 1. Il est très beau. La couverture est très belle. Je ne sais pas, les dessins dedans sont beaux. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que je vois rien. Du coup, voilà. C'est de Pika.fr. Voilà, Pika Édition. J'aimerais bien commencer cette série, enfin cette manga, j'en veux t'en parler, tout le monde en parle, voilà. Oh, qu'ils sont beaux là. Et puis je vous connais pas, je peux pas envie de vous spoiler non plus. Après, ce que j'aimerais bien commencer aussi, c'est le Marsan de Sable chez Hugo Roman, au New Roman de Galia Alexia. Voilà, j'ai les tomes 1 et tome 2. Je crois qu'il n'y en a que 2, si je me trompe pas. Voilà. J'aimerais commencer celle-là. Ça aussi, ça c'est sur mon groupe Facebook que j'ai entendu parler. Après, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, c'est là que je me le suis procuré. C'est ceci. Chez Hugo Roman, New Roman, Furio... le furet, j'aime bien la couverture. Je l'ai acheté chez Club. J'ai toujours le prix dessus. Il était à 8,80. J'aimerais bien commencer cette série. Ici, c'est tome 1. Il est trop beau. J'aime bien cette collection de livres. C'est le même que ma série. Regardez. Et quand vous mettez tout en. Ça fait toutes les couleurs. J'adore. Du coup, voilà. J'aimerais bien commencer cette série. Après, c'est la même collection. Parce que regardez que c'est beau quand c'est tout ensemble. Donc, je vais remettre celui-là. Vous voyez, ça fait vraiment de la couleur. Regardez que ça me donne bien quand tu mettais dans la... Hop, ça c'est moi. Court. Ça c'est celle que je vous ai déjà présentée. Et ça c'est celle que je voudrais
lire que j'envoie partout pour le moment, Adoptive Love, tome 1 de chez Hugo Poche, au New Roman. Il a l'air pas mal. Je ne voulais pas le résumer parce que j'en vois tellement passer pour le moment que je préfère plus en avoir des souvenirs et me plonger dedans et avoir vraiment l'envie de la découverte de ce livre. Voilà. Maintenant, il me tombe bien. Après plus de 1000, millions de lecteurs, découvrir le nouveau roman qui a conduit les les plateformes d'écriture en ligne française. Dramatique, citatélique. Voilà, je sais pas. Hâte de me plonger là-dedans. Après, ça, j'ai entendu chez. C'est comment encore son nom? Oh, je sais pas, Nina Queen. Elle en parlait. Du coup, Contre le vent et marée de. Mais la collection, elle est magnifique. Je vais retirer le 2, celui-là. Ça, c'est le tome 1. Il est trop beau. C'est des militaires, policiers militaires. Elle en a tellement parlé que ça, il me donne vraiment envie de lire. Il a assez écrit petit, je trouve. Regardez, assez écrit petit dedans. Et du coup, je me suis procuré sur Amazon, si vous avez envie. Il est trop beau. Et alors, j'avais acheté le. Je pensais avoir le 2. Parce que vous voyez, comme ça, il n'y a pas de tome. Moi, je me suis dit, bon, c'est le. C'est un, et puis il y a un deuxième. Et je me suis procuré le deuxième, qui est Le choix des conséquences. Il est très beau aussi, j'aime bien. Et après, je me dis, c'est bizarre. Et en fait, à l'arrière, quand vous le retournez, je sais pas si vous allez voir là, c'est là, ouais, là, il est marqué tome 1. Et celui avec les beaux garçons, et là, il est marqué You, ah, tome 6. Du coup, je me suis fait avoir. Moi, je me dis, bah ouais, c'est une petite série de deux livres, je vais lire. Et ben, j'ai le 1, mais il me manque le reste entre eux. Du coup, voilà. Il faudra que je me procure si je commence la série. Voilà, après je vais vous parler de ceux-là que je. C'est la même série que ceux que je vous ai montré, ceux-là. C'est la même série. J'aime bien ces. Je sais pas, j'adore ce livre. Voilà. Et en plus, on peut se les prendre partout. C'est Baby Random, tome 1. Il est trop beau, j'aime bien la couverture. Voilà. J'ai le tome 2. Enfin, juste là. Et le tome 3. Là, avec des bisous, là une petite femme, et là c'est aussi un couple. Voilà, j'ai ces trois tomes. Vous voyez, c'est le même. C'est trop beau quand vous mettez dans la bibliothèque, ça fait une superbe variance de couleurs. Et sur ceux-là, ici dans le fond, il y a des chiffres. Mais par contre, je veux bien, mais j'ai le tome 1, tome 3. 2 et 33, 80, 85 et 99. Quand vous mettez, ils sont plus jamais à côté de l'un à l'autre. Mais enfin, c'est pas grave. Je les aime bien quand même. Ces beaux petits bébés. Voilà, du coup, ils me tentent bien. Je n'ai pas. Enfin, si, je vous les avais présentés, ceux-là. Les résumés sont dans mes précédentes vidéos. Dans mes achats ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est dans mes achats. Il était un peu spécial. Imprévu pourrait être la plus belle surprise. Voilà. Je pensais au début d'avoir un truc de bébé parce qu'il y a une tutute là. Ça fait un peu avec la tutute. Je sais pas si vous voyez bien la tutute à chaque fois. J'ai des poils de mon chat. Des poils de partout. J'aime bien. Franchement, les couvertures, elles sont trop belles. Et c'est au New Roman. Par contre, l'éditeur, je sais pas c'est qui. Il n'y a pas de nom, Hugo Poche. Je regarde, mais. Je ne sais pas. Ah, ouais, Galet Alexia. Galia. Voilà. Et bon, pour les derniers bouquins, j'en ai deux à vous présenter. Comme c'est la même série, c'est un livre. Ceux-là, je les aime bien, mais. C'est le même toucher que les autres et ça reste les poussières restent dessus. Ça fait un moment que, enfin, moment, non, ouais, un mois que je dis,
même pas à moi. Du coup, c'est ceci. Les héros. Celui-là, il a l'air plus petit par contre. Quand... Je sais pas. Il me manque le tome 3 qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Du coup, c'est chez de Hugo Roman, Onew Roman. Voilà. Si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas envie de me replonger dedans et avec tout ce que j'entends, celui-ci, c'est... Si je... Attends, je vais juste regarder si je ne dis pas de bêtises pour ne pas vous induire en erreur quand même. Parce que j'aime pas dire trop de bêtises. C'est doit être un policier ou un truc comme ça. On va suivre le policier. Ouais, et lui, c'est un ouvrier. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le troisième. Je ne sais pas vous dire. Comme je ne l'ai pas encore. Ouais. Mais ça sera une de mes prochaines lectures. J'attends avec impatience. Enfin, j'ai tellement envie de lire de tout que... Voilà quoi. Et il y avait cette série aussi que j'ai. Que j'ai envie de lire. Mais elle est tellement dans le fond de mes affaires que j'avais pas envie de chercher après. J'ai déjà dû chercher. Et alors il y a deux livres. Mais ça c'est des livres normaux, je pense, que j'ai envie de lire. Voilà. Et après il y a toute la série que de Disney, les vilains et la série je ne sais plus quoi. Les nouveaux qui viennent de sortir. Je les ai presque tous, il m'en manque deux qui sont en commande. Voilà. Et du coup j'attends avec impatience. Dites-moi en commentaire quel livre ou quel, enfin quelle série que vous voulez que je par laquelle que je voulais que je commence. Comme ça, ça me donnera une ou laquelle que vous avez déjà lu et laquelle que vous aimez et que vous voulez que je commence en première avant les autres. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et des petits commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, ça coûte rien. Du coup, abonnez-vous à moi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.